Ésaïe, chapitre 15. Oracle sur Moab. La nuit même où elle est ravagée, à Moab est détruite. La nuit même où elle est ravagée, Kir Moab est détruite. On monte au temple et à Dibon, sur les hauts lieux pour pleurer. Moab est en lamentation sur Nebo et sur Medeba. Toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées. Dans les rues, ils sont couverts de sacs. Sur les toits et dans les places, tout gémit et fond en larmes. Hesbon et Eleale posent des cris. On entend leur voix jusqu'à Jahatz. Même les guerriers de Moab se lamentent. Ils ont l'effroi dans l'âme. Mon cœur gémit sur Moab, dont les fugitifs se sauvent jusqu'à Tsoar, jusqu'à Eglash et Lichija, car ils font en pleurant la montée de Lichish, de Luchit, et ils jettent des cris de détresse sur le chemin de Coronaïm. Car les eaux de Nimrim sont ravagées, l'herbe est desséchée, le gazon est détruit, la verdure a disparu. C'est pourquoi ils ramassent ce qui leur reste et ils transportent leurs biens au-delà du torrent des saules. Car les cris environnent les frontières de Moab, ces lamentations retentissent jusqu'à Eglaïm. Ces lamentations retentissent jusqu'à Bir-Elim. Les eaux de Dimon sont pleines de sang et j'enverrai sur Dimon de nouveaux malheurs. Un lion contre les réchappés de Moab, contre le reste du pays.